Pour la coopération avec donc Issoire. Donc on aimerait bien l'échange d'informations, l'échange d'expériences. La discussion avec les experts de Issoire et l'échange d'idées nous permet vraiment de donner une idée pour améliorer un peu la gestion de notre site. Et je pense le fait d'organiser cet atelier à Gerba, dans l'île de Gerba, était une très bonne occasion d'aborder le problème qui se pose actuellement à Gerba. Il y avait un problème de nuisance émané de la décharge qui a poussé la population riveraine à protester pour la fermeture de la décharge. La fermeture de la décharge a posé beaucoup de problèmes pour les trois municipalités de l'île. Homtessouk, Midoun et Agim. Les trois communes ont organisé tout un processus de concertation pour l'élaboration d'un plan de gestion intégré pour toute l'île. Il a proposé deux scénarios. Les deux se basent sur la valorisation organique des déchets. Ces deux scénarios, ils étaient présentés et discutés lors de ce séminaire. Et je pense qu'effectivement, ces trois journées nous ont permis de retenir un certain nombre de recommandations et surtout préparer l'avenir pour qu'on puisse effectivement s'orienter vers les techniques les plus adaptées. Et je pense que la valorisation des déchets par voie compostage va certainement résoudre une bonne partie donc, de ces problèmes posés.